Bonjour, Victory Anglory, Napoléon. Nous allons faire sur ce magnifique, très bon jeu Wargames, jeu de grande stratégie, jeu tactique, jeu de simulation historique. Et je pèse mes mots. Alors, nous allons faire un nouveau jeu. On a donc la campagne que j'avais commencé à faire, mais que je recommencerai par la suite, parce que je trouve qu'il est beaucoup mieux maintenant. Alors, j'ai plusieurs scénarios. On va commencer la seconde coalition, 1800. Alors, il faut la victoire, hein. Alors, il y a l'Égypte. Alors, la France va se préparer à affronter l'Empire britannique, l'Autriche, l'Empire ottoman. On a des concurrents, il faudra voir. On va voir tout ça. On va faire la campagne et on va partir. Le jeu est tellement dur que moi je baisse un peu. Allez, pour les besoins de la vidéo, on va dire. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors, on a tous nos troupes ici. On va vous montrer un peu la carte, le contour de carte ici avec la Grande-Bretagne, la France. Nous avons ici les Prussiens, nous avons les Russes. L'Empire russe, l'Empire ottoman, l'Empire autrichien et l'Espagne. Alors, nous on est ici, on a des bateaux, 1, 2 et 3 ici. On a 3 bateaux là. Ici on a des troupes françaises avec Bernadotte. Il a de l'infanterie. Ici, nous avons une armée, mais sans commandant. Ici, Napoléon, mais qui possède pas énormément. Donc, on peut compléter, on peut le mettre jusque 20. Donc, c'est à moi de regrouper des troupes. Il y a le commandant, il y a Moreau. Si je peux, ou alors c'est Napoléon. Alors, ici on a l'Autriche. L'Autriche, pour l'instant, elle est hostile à la France. Donc, ça c'est sûr. Ils sont nombreux ici, hein. 15. Donc, il va falloir faire un groupage, hein. On va pas avoir le choix. On a également ici Brunswick, l'armée prussienne qui est neutre. Nous avons les Britanniques qui sont hostiles à la France, qui risquent de nous attaquer. Ils ne sont pas énormément, mais la Russie qui est neutre pour l'instant. Les Prussiens qui sont hostiles à... Non, l'Empire ottoman qui est hostile à la France, donc on risque d'avoir des combats contre eux. Et bon, on va d'abord s'occuper des Autrichiens. Alors là, il va falloir faire un groupage. Je peux pas aller là, là non plus. Je peux qu'avancer. Je peux avancer ici. Voir. Je vais essayer de regrouper le tout. Je vous garantis rien. Voilà. Ça fait déjà tout ça. Ça en fait 12. Je préférais mettre Moreau. C'est possible. Voilà 19. Là, on a une armée de 19.
Ça sera pour le prochain tour parce que là on peut plus bouger. Là, 15, je suis sûr de perdre. Je vais donc essayer de faire un gros punch. 19. Bon, ben, on le fera plus tard, c'est pas grave. 3, 4. On va rester comme ça, là on est déjà bien comme il faut. Alors, ce qu'on peut faire, déjà là, vous avez la diplomatie. Mais pour l'instant, on ne peut pas y toucher. On n'a pas de point politique pour pouvoir jouer. Ici, les cartes. Oui, on peut en utiliser. Les skirmasheurs, ça serait pas mal, ça. Alors, sélectionner l'unité, première unité pour recevoir les skirmasheurs. Donc, je vais essayer de le donner, si possible, à l'unité de cavalerie. Deux. Ouais, pas. Lui. Ah, c'est bon. J'ai pu le faire sur l'infanterie. Sélectionner unité, ça fait deux ou quoi? Là, je vais voir. C'est bon. Deux unités en skirmasher, d'accord. L'autre carte peut être utilisée en Égypte. Je ne récupère rien du tout en Égypte pour l'instant. La France gagne un point de politique si je prends cette carte. On va attendre. Ici, Napoléon Génius. Oui, c'est dans les combats pour améliorer. Alors ici, joindre l'Empire sur des factions mineures. D'accord. L'artillerie Horse, ça m'intéresse. Alors, eh ben, on va sélectionner celle-ci. Voilà, elle est là. C'est donc de la grosse artillerie. Deux. Ouais, je voudrais bien, mais je suis pas sûr qu'ils vont le faire. Si. Donc, l'armée de Napoléon, c'est bon. Alors, d'autres cartes pourraient être utilisées, par exemple, si on veut déclarer la guerre à d'autres pays comme maintenant. Des guerres impériales. Des guerres impériales. On pourra le faire que sur cela, à première vue. Peut-être la cavalerie. Non. Alors ceux-là, ça marche. Ah oui, ils sont passés à 4 en plus. C'est deux ou une? Non, c'était une. Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire ici? Italie. Créer des unités en Italie. Ah, on ne peut pas. D'accord, je n'ai pas assez de points. Non, je n'ai pas assez de points politiques. Alors, ça sera bon pendant les combats. Et je peux pas pour l'instant, j'ai plus. Bon, on va arrêter là, avec les cartes. Et on va passer notre tour. Alors, choix. Je choisis l'Autriche qui est démembrée. Ils ont détaché l'Autriche. Bohême, Galicie ou Illyria. Ou alors avoir deux unités navales. Alors, l'ennemi approche. Une armée hostile fait mouvement dans la région de l'Égypte.
L'armée commandée par Robert Combes, la 14 unités d'infanterie, 2 cavaleries et 2 unités d'artillerie. Alors qu'est-ce qu'on a? On a 5, on est inférieur. Alors, ce qu'on peut faire, c'est défendre la région ou faire retraite. Non, je vais défendre la région et on va combattre. Ça va être compliqué. Ils ont mis l'artillerie. Voilà, ils ont de la cavalerie à 3. Alors, je ne pourrais même pas tout mettre. Hein. Je vais essayer de mettre des canons différemment. J'ai la cavalerie. Contrôle-le. Là. On va laisser comme ça. Et on va passer notre tour. On est inférieur, mais bon. Alors, c'est une unité. On va attaquer. Joli, l'unité de cavalerie à 3 est sortie. D'autres. D'accord. Bah, c'est pas mal. Moi, j'ai une unité ici de cavalerie. Je vais attaquer celle-là. Des routes. Mais elle est encore là. Alors, ici, on a des unités d'infanterie. On attaque. Oh là! On a notre artillerie qui a pris. Voilà. La cavalerie, l'artillerie nous fait très mal. Wow. Stop. Non, je sais plus. Ah, c'est compliqué. Hein. Allez, on va passer le tour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'attaquer les unités qui se déroutent. Voilà, elle est éliminée. Mais. Éliminément. Oh. Déroute pour les unités d'infanterie, déroute pour notre cavalerie. Ouais, bah ils ont gagné. Bah, enfin, j'avais un petit espoir, mais non, c'est pas possible. Alors, une autre unité s'approche, une armée hostile. Fait mouvement sur la région, sur la Belgique. L'armée commandée par Kreil et contient 6 unités d'infanterie, 2 unités de cavalerie et 2 unités d'artillerie. C'est costaud. Non, en retraitant. Alors, allié, carte. Alors, il y a Britannique, 2 points politiques. Ils ont gagné les points politiques. Artillerie, horse. D'accord. Converti, donc, ils ont converti des canons en des canons horse. Donc, ce sont des gros canons qui font très mal. Vous l'avez vu juste avant. Allez, ici, unité de cavalerie qui est donc passée aussi en heavy cavalerie, donc ils sont beaucoup plus fortes. Ils ont été upgradés. Ça nous arrange pas. Traité de paix avec les Ottomans. On va regarder ça.
On va laisser finir le tour. Alors, deux points politiques utilisés. Ouverture diplomatique. Alors, deux points. Succès. La nation majeure déclare la guerre à la France pour avoir faim. La Russie a rejeté l'idée de la guerre contre la France. D'accord. Dommage qu'il n'est pas en français, hein, franchement. J'aurais bien aimé, mais bon, on peut pas. Qu'on passe avec. On n'a pas tellement chaud. Donc on va mener une grande bataille, je pense, si je peux la faire ici. Oui, je peux attaquer. Là, ils sont à 15. Si je gagne là, ça peut faire très mal. Bon, j'aurais pu compléter un peu plus l'armée de Napoléon. Il y a des cartes aussi qui nous permettent d'avoir 25 unités au lieu de 20. Bon, c'est intéressant. Moi, j'ai mes scars marcheurs. Ça c'est intéressant, j'ai aussi des canons en horse, j'en ai deux. On verra qu'est-ce que ça peut donner. Alors ici il y a des batailles cap concernant Napoléon. Et attaque de flanc, charge de cavalerie, grande batterie. Voilà. Je ne l'ai pas pris. Homme d'art. C'est des adurés. En force. Ok. Alors, on va commencer. Si c'est des scars marcheurs, je vais voir si je peux les mettre tout de suite là. Non, je peux pas. Mes scars marcheurs, je vais déployer vos unités. Alors j'ai déjà des canons que je peux mettre ici. Bon, c'est pas toujours facile. Ce jeu est d'une complexité quand même. À partir du moment qu'on comprend pas bien le langage, il faut faire avec. Je vais en mettre ici. La cavalerie. Oui, mais bon. Non, je pourrais le mettre maintenant. Mais bon, c'est pareil. Ça n'a aucune importance. Ici, je risque de. Va pas être facile. On va les utiliser quand même. Là, j'ai des bons canons. Bah, normalement, s'ils sont faits. Bon, je peux plus. Je n'ai plus de points d'activation. D'accord. Donc on va. Là, je crois pas qu'on peut l'utiliser. Non. Laisse tomber. Et on va passer notre tour. C'est une unité, d'accord. Encore. Là, je suis complet. Maintenant, on va attaquer. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Eux aussi, ils ont des unités. Oh là là, ça va être costaud, hein. On va taper du premier coup. Oh! Ah oui! Les skirmishers peuvent attaquer deux fois. Ça, c'est super. Et heureusement que je l'ai fait en premier parce que sinon, ils l'auraient fait sur nous. Ceux-là aussi peuvent. Mais il faut que je les avance d'une ligne. Celui-là, il peut le faire. On va faire la même chose. Et voilà. Deuxième attaque. C'est le point d'être dérouté. Je vais attaquer ma cavalerie.
sur les canons, éliminés, ça c'est bien. Parce que les canons, attention, il y en a là aussi, ils sont à 3. C'est costaud, c'est compliqué. J'ai encore de l'infanterie ici. Je ne sais pas si. Non, je suis obligé de les avancer, je voulais voir. Ah. Non, c'est à moi. Voilà. Je ne pourrais pas l'utiliser tout de suite. Je le mets là. Oui, parce que l'infanterie se déplace d'une case, la cavalerie se déplace de deux cases. Voilà. Ma cavalerie en a pris un coup. Un premier but. Je peux faire rentrer d'autres troupes. Non. Alors maintenant, on va utiliser la cavalerie contre ça. Ici, on a de l'infanterie qui sont assez fortes. On va les attendre. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, pardon. Autant pour moi. Voilà, celle-ci, par contre, je peux. Oh, bravo. Elle est éliminée. Oh là là. Leur cavalerie, heavy cavalerie, cavalerie de luxe, elles sont meilleures que nous. Voilà. Bon, on va bientôt le choc pour l'instant. Là, c'est bien parce que je vais pouvoir attaquer deux fois. Déjà, je passe mon tour. On n'a plus de points d'activation de toute façon. Allons-y. Ah, il faut être visionniste de façon à ne pas faire trop d'erreurs. Alors, c'est une unité pour ordre, donc on va faire entrer de l'infanterie. Et là, attaque de l'ennemi. Oh là 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 là. C'est une unité pour les faire entrer. Encore. Encore. J'ai plus que 8 points d'action. Je vais quand même utiliser mes points. Éliminé. Ça, c'est bon. Là, je pourrais l'avoir, mais en second tour. Donc, j'ai des canons. Deux fois. Ah, il est rôti. C'est bon ça. Voilà. Éliminé, c'est pas bon. Je perds un skirmisher. Celle-ci, je peux l'utiliser. Et vous savez que vos unités prennent des imperades. Hein. C'est important au fur et à mesure que ils montent. Alors, je peux jouer celui-là. Et je vais faire autrement. Ils sont pas efficaces, hein. La cavalerie, pas assez efficace non plus. Ça m'embête. Donc là, j'ai encore 3 points d'activation. Je vais faire monter cette unité-là. Là. Je vais le faire. Monter là. Et il me reste encore un. Et je me fais attaquer. Mais la cavalerie d'élite en a pris un coup. Super. Oh, dérouté. Non. Alors, il faudra passer le tour et attendre et voir qu'est-ce que ça va donner au prochain tour.
De ce point d'action, on peut faire entrer encore deux troupes. Et sinon, on peut jouer. Je vais jouer mon infanterie, celle-ci, et je vais essayer de le faire là-dessus. Voilà, elle a été éliminée. Ça m'arrange. La cavalerie ici. Et on même pareil ici. Pour dire. Encore 9 points d'action. Celui-ci devrait pouvoir s'en sortir. Ouais. On se fait attaquer. C'est dérouté. J'avais joué mes canons. Ah, c'était pratiquement. Mais c'est pas encore ça. Celui-là aussi, je vais l'utiliser. Ouais, ça c'est bon. Il me reste 6 points d'action. 6 points d'action. On va donc faire monter de l'infanterie ici. l'infanterie ici. On va rentrer de l'infanterie. Ouais. Unité d'infanterie qui est déroutée. Ça m'ennuie. J'ai celui-ci que je peux monter. Et encore 2 points d'action. Là aussi. Ah, je vous dis, hein, même au niveau bas, ils sont très forts, l'IA est très fort. C'est vrai que les jeux Matrix Games, Systerine et Agiost, ils possèdent des jeux où, malgré tout, Bataille sommaire. D'accord. J'ai perdu 3 unités. Enfin, c'est une sorte d'égalité, si je comprends bien. Il recule. Alors, l'Autriche est démembrée. On est à 16. Ça serait bien de faire. Voilà, ils sont de nous, hein, map. On a récupéré avec d'autres généraux. Ce qui nous apporte des choses intéressantes. Là, on se fait ouais, la Belgique. Alors là, il va falloir essayer. Je peux pas avancer. Là non plus. Comment s'attaquer? Ça va pas, non? Je peux pas bouger ni là. Donc ça c'est bon. On va aller voir au niveau diplomatie. Comment ça se passe? On a toujours 0 points. On ne peut pas négocier quoi que ce soit. Alors, est-ce qu'on a des cartes? Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Créer des troupes en Italie. L'Autriche démembrée. Alors, soit la Bohème, la Galice ou l'Illyria. Ah, c'est un faux pas. Kingdom, Italie créée, recueillir des troupes en Italie. T'as vu comment ils sont.
veux-tu que je fasse? Non, là, je peux pas ici. Non plus. Alors, c'est pas possible. On peut pas le faire puisque l'ennemi me pêche dedans. Des attaques. Rien. Choisir une nation de façon qu'il y ait des troupes françaises qui peuvent joindre notre empire. C'est plutôt diplomatique. Utiliser des cartes de points politiques. Bah, c'est pas la peine, je peux pas le faire. Je n'ai pas de points politiques. Donc on va laisser deux unités navales en Hollande. Non plus. Je le laisse comme ça. Donc là c'est bon. On va laisser passer notre tour. Ah, il me reste ces deux points d'activation. C'est pas grave. Alors, ici, un nouveau général émerge. C'est le leader. Ça, je connaissais pas. Diplomatie, ouverture. La Russie a rejeté l'idée de faire la guerre avec la France. Ici, les bateaux bougent beaucoup. Bon, lui, il recule. Alors, ici, une approche de l'ennemi en Hollande. L'armée commandée par Cray avec 6 infanteries, 2 cavaleries, 2 artilleries. 2, 3. Je peux rien faire avec ça. Retraite. Malheureusement, on peut pas, on est obligé de combattre. Alors. Déployer nos unités. On n'est pas clair, hein, je le dis. Allez, au bureau. Dommage qu'on ne peut pas l'utiliser. Non, on peut pas. Alors, on va attaquer. Oh là! Eh ben, ça commence bien. Déroute de notre cavalerie, je n'y attendais pas autant. Ici. Éliminé. On fait déjà un. Oh lolo. Non, pas les loin. On passe notre tour. Ah non. Voilà, on n'a plus rien. Préparation d'une poursuite contre nos unités ennemies. Score 3 et 1. Nous 0. Défaite. Oh là là. C'est pas terrible.
On va laisser faire l'IA. Donc, Napoléon, lui, il est bien. Très bien. On peut, ici, on peut attaquer, on peut prendre possession de Milan. Donc là, on prend l'Italie si on veut des troupes. On va pouvoir le faire. On va pouvoir le faire si je demande des cartes. Concernant les troupes en Italie, la région, on peut pas. Ah non, on peut le faire. Piémont, Milan, Venise, Toscane, Papa, Naples, Sicile. Mais là, on peut pas. Et Venise, je sais pas quand non plus. Donc, on est obligé d'aller. Non, je fais pas. Voilà, là les ennemis sont ici. Ça en fait vite. Ça, je peux pas les bouger pour l'instant. Oh, nos armées sont pas. Ils sont pas conséquents. Donc. On a encore 3 points d'activation, on peut faire bouger les bateaux. Je pourrais par exemple aller attaquer des ports. Il y a différents ports, ou faire des blocus, je ne sais pas trop. Là je peux pas, là je peux pas aller non plus. Ici non plus. Il y a un canon, ça veut dire qu'on attaque. Je comprends pas trop, mais bon, on va voir. Localise la baie de Biscay. Celle-ci. Ah bah oui, il nous attaque avec un seul bateau, alors super. Déployez vos troupes. Oh là là. Déployer vos unités. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Hop. On a un coup de chance, mais c'est pas grave. Voilà. On va sélectionner son bateau et on va tirer dessus. Oh, il y en a pas beaucoup. Oh! Fin du tour. Éliminé. Peu de traces. Ah oui. Voilà, pour montrer un peu le jeu en lui-même, on essaiera de faire un petit peu mieux la prochaine fois. Moi, je vous dis merci de m'avoir suivi. Mettez un j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Et puis, abonnez-vous pour mes jeux Wargames et quelques jeux de stratégie. Je vais vous faire Total War Warhammer. Je vais reprendre les jeux Total War Warhammer puisque je vais faire Daork également. Plus après, on fera d'autres jeux. Au niveau stratégie, mélangé avec les Wargames. Voilà, passez une bonne journée et à demain.